Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique autour de mon album Karma Obscur, deuxième album. Alors, on va passer en revue certains des morceaux les plus intéressants, à mon avis, en termes de jeu de basse sur cet album. Et on va commencer par le morceau qui s'appelle Hors d'œuvre, morceau en duo avec mon ami Beastie, beatboxer de son état. Alors, c'est un morceau qui est en fa, on peut dire même fa 7 principalement. Donc l'accord fa 7 avec une septième mineure, bien sûr. Couleur un petit peu blues, mais blues funk là, hein, pour le coup. Alors, quelque chose à repérer d'important, c'est qu'il est fabriqué sur une métrique, une interprétation ternaire tout le long. C'est shuffle en fait, half time, comme on dit. À la différence d'un riff qui serait binaire comme ça. Voilà, il est shuffle en fait. Alors c'est une mécanique à choper et à travailler. C'est un petit peu plus sautillant. Du coup, ça donne, si on joue une succession de double croches, au lieu de donner ça en binaire, ça donnerait plutôt ça à l'interprétation ternaire. Donc, voilà, ce genre de choses. Alors, il y a pas mal de jeux et de plans un petit peu piqués et étouffés. Alors, piqué à la main droite et étouffé un petit peu à la main gauche, en appuyant pas complètement sur la corde en fait, et en laissant traîner les doigts qui ne jouent pas la note de la main gauche, en les laissant traîner sur la corde. Donc ce qui donne, au contraire de ça, vous voyez là, je laisse traîner mes doigts sur la corde, et ça obtient on obtient le même résultat qu'un palmute. Donc ça va feutrer certains plans. Donc, alors ça, c'est un plan intéressant. C'est un plan qui est en sextolé. Voilà, et qui est doublé
par le beatbox, donc par la partie de batterie finalement. Ce qui fait une syncope intéressante. On a si bémol, la bémol sol, si bémol encore, ré bémol, do et fa. Et ça, c'est avec le même système de notes piquées. Donc, voilà, donc faut rentrer un petit peu plus franchement dans les cordes aussi à la main droite, quoi. Voilà, comme ça. Alors après, pour la suite du morceau, on passe à des plans un petit peu plus agressifs en slap. Donc le B se fabrique comme ça, en fait, toujours en fa. Alors là, c'est intéressant, ce plan-là, rythmiquement. 3, 4 et... Là, on a affaire à une figure qu'on pourrait appeler des cartolés. Puisqu'on est sur une interprétation ternaire, là, on joue des doubles droites. Donc... Et du coup, on appelle ça des cartolés. Parce qu'il y a quatre doubles sur une mesure, sur un temps, mais en interprétation ternaire. Voilà, donc ça devient des cartolés plutôt que des doubles croches. Bon. Donc tout le B est fabriqué sur cette alternance ternaire binaire. Je rejoue. 3 et 4. Je reviens en ternaire. Alors là, c'est plan intéressant, ça, c'est plan. Plan la triple croche, donc 8 notes par temps. C'est assez impressionnant, mais c'est surtout, c'est la technique de pouce aller-retour. Donc. Donc on a la descente si bémol, la bémol. Ré, pardon. Donc ré, la bémol et fa. Donc je rejoue. Ok. Alors il faut le bosser lentement, par exemple en bossant 4 notes par corde. En fait, vous prenez vos exercices habituels. Et pour le pouce aller-retour, c'est pas mal de doubler chaque note. Ça facilite les articulations. Même si ça limite un peu l'utilisation de la technique. Alors personnellement, je vais utiliser l'os de la phalange. La phalange qui est là. Il y en a qui utilisent l'ongle. Moi, je vais plutôt me poser au niveau de la touche. Alors l'important, c'est de ne pas rebondir. Si on rebondit, on ne pourra pas remonter, donc. Et on attrape la corde avec la phalange. À bosser à toutes les vitesses. Et à bosser aussi avec plusieurs interprétations. Donc là, c'est un petit peu agressif et c'est vraiment slappé finalement. Mais c'est aussi à travailler plus doucement. Voilà, pour pas avoir une seule nuance. Enfin, pas de nuance du coup. Vous pouvez aussi travailler avec vos pentatoniques, par exemple. Voilà, donc à bosser vraiment lentement au départ. En note liée et en note piquée aussi.
pour essayer d'avoir beaucoup travaillé pour essayer d'avoir une homogénéité entre l'aller et le retour. Pour que ça fasse quasiment le même son, le plus possible. Voilà, donc c'est le plan. Voilà. Alors, je rejoue le B en entier. Et retourné. Voilà. Ensuite, on revient au A, beaucoup plus doucement. Voilà. Alors, c'est à bosser lentement, bien sûr. Et là, il y a un second A où intervient l'effet sur la basse, l'octaveur et le filtre. Donc, c'est un peu le même riff que le A, mais qui évolue et qui est plus torturé. Donc, il commence comme ça. 1, 2, 3, 4, et... Ça commence par une succession de triolets de noir. On reprend. Alors là, ça c'est particulier. On part sur le temps, on finit sur le temps, il n'y a que 5 coups sur 2 temps. Donc on va jouer un quintolé sur 2. Je rejoue. Triolet de noir. Donc ça c'est pareil, sur la bande, je suis doublé. On fait ça en syncope avec Beastie. Et donc c'est un quintolé sur 2. Des quintolets de croche. Voilà, l'important c'est de partir sur le temps, finir sur le temps. Petite succession de quartolets, donc on repasse binaire. Triolet noir. Quintolets. Ça, c'est des sextolets. Tout tap, tip tap, tip tap, tip tap, tap. Et le B qui revient. Solo de Beastie. Alors, ce plan-là. C'est slap et il y a du legato. Donc, mélange hammer et pull-off, qui est en sextolé aussi. Qui harmoniquement, on joue finalement le Fa dièse, Fa dièse 7. Pour rappeler le Fa en fait. Donc je rejoue. Beastie. 2, 3, et. Le but c'est de ne pas jouer toutes les notes à la main droite. C'est trop compliqué, ça va trop vite. Donc il faut choisir les notes qu'on va jouer et choisir les impulsions qu'on donne à la main droite pour faire vivre toute la phrase. On voit qu'il y a déjà 4 notes jouées avec un seul coup de pouce. 1, 2, 3, 4. Et je tire sur mon si bémol. Toutes ces notes-là, j'ai fait que 3 impulsions à la main droite. Voilà, et il y a un fil de fin un petit peu complexe. Qui reprend le même fil que sur le premier B, mais qui est plus long ce coup-là. Donc qui est complètement
quasiment entièrement joué à la triple croche, à part la fin, qui passe en sextolé. Donc, triple croche. Alors, ce plan en sextolé, c'est pareil, il n'y a que deux impulsions. Que deux impulsions à la main droite, mais pas da-da-di-da-da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 notes pour deux impulsions main droite. Donc on a si bémol, la bémol, si bémol, un pull-off à hammer et... un tiré sur le do, un tapping sur le la bémol et un tapping sur le fa, non. Et je finis mon plan avec fa fa. Et là, on fait une espèce de détuning avec l'ami Bisti. Voilà. Yeah! Wouhou! C'est cool. Ça va le faire.